Je vous embarque avec moi pour préparer deux recettes avec du jambon et des légumes. C'est parti! Pour préparer une quiche épinard jambon, j'aurai besoin de une pâte feuilletée, du jambon, des épinards, deux œufs, du wash. Vous retrouverez en barre de description ce qu'est le wash, un lien pour voir une vidéo détaillant sa préparation, de la crème liquide, du sel, du poivre. On va commencer par laver les épinards, parce que comme ce sont des épinards en sachet, il se peut qu'il reste un peu de grains de sable notamment, un peu de terre, et du coup ça risque de croustiller, d'être assez désagréable sous la dent, donc du coup il vaut mieux rincer les épinards avant de les utiliser. On va ensuite mettre dans un bol les deux œufs. La brique de crème. Donc moi j'ai utilisé de la crème liquide à 30% de matière grasse. On va mettre également une bonne cuillerée de wash, du sel et du poivre. Et on va mélanger le tout. Ensuite, dans un plat qui va au four, on va disposer notre pâte feuilletée. Donc moi, j'ai utilisé une pâte feuilletée du commerce, mais si vous souhaitez préparer votre pâte feuilletée vous-même, c'est également possible. Du coup, je lisse un peu la bordure pour que la pâte feuilletée soit assez jolie. Enfin, que la quiche finale plutôt soit assez jolie. Et du coup, dans mon plat, je vais mettre les épinards que je vais grossièrement hacher, histoire que tout puisse plonger dans la pâte quand je vais l'ajouter. Donc je mets une bonne quantité d'épinards, parce que après ça va se ramollir du coup pendant la cuisson. Donc je tapisse vraiment le fond de mon plat, et je vais faire la même chose avec le jambon que j'aurai coupé en petits morceaux. Et ensuite, je mélange grossièrement avec mes doigts, histoire de bien répartir les épinards et le jambon un peu partout sur la pâte feuilletée. Et je viens ajouter mon liquide, du coup, la crème que j'ai préparée juste avant, donc avec les œufs, la crème liquide, le sel, le poivre, etc. Et je passe tout ça au four. Avec le reste de mon jambon, du coup, j'avais décidé de préparer une autre recette. Toujours avec des légumes, cette fois-ci avec des courgettes. Donc j'ai émietté encore mon jambon que j'ai disposé dans une poêle. Je vais y ajouter également des dés de courgettes. Donc là j'avais utilisé des courgettes fraîches. J'y ajoute du sel, du poivre, de l'huile d'olive, du paprika, du curry. Également une cuillerée de wash, et tout ça part sur la plaque de cuisson. Je recouvre le tout et je laisse cuire. Et voilà le résultat pour mes deux recettes avec jambon, donc ma quiche épinard jambon qui avait bien cuit après un temps passé au four, ainsi que mes courgettes au jambon. J'espère que cette courte vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, à vous abonner, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.